Faut que j'appelle les enfants là pour leur donner la mauvaise nouvelle. Les gens aussi meurent comme ça, c'est pas bon. Oh, vraiment. Ah, allô? Oui, mon petit, comment tu vas? Tu es où il y a beaucoup de bruit comme ça? Tu es à Douala ou bien à Bafoussam? Ah, tu es à Yaoundé. Ah, d'accord. Mais est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Non, dis-moi, est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Tes frères et toi là, ce que vous faites là, est-ce que c'est bien? Tu as quel âge maintenant? Non, dis-moi, tu as quel âge maintenant? 35 ans. Voilà. Et tu trouves qu'à 35 ans, le vieux va continuer pas à s'occuper de vous jusqu'à 35 ans? Est-ce que c'est bien? Donc il n'a qu'à passer toute sa vie à s'occuper de vous. Chez les Blancs là-bas, là, quand tu as 18 ans, on te chasse de la maison. Hein? On te dit d'aller chercher un boulot, de t'occuper de toi-même. Mais vous, jusqu'à 40 ans, le vieux va continuer pas à s'occuper de vous. C'est pas bien. Vous êtes en train de violer les droits du vieux. Oui, je te dis, vous violez les droits du vieux. Comme ça, là, il va jouir de sa retraite quand, avant de mourir. Donc, il n'a qu'à être en train de s'occuper de vous jusqu'à mourir, c'est ça? Non, c'est pas du tout sérieux de votre part. Moi, je ne suis pas content de vous, hein. Je ne suis pas du tout content de vous. Et je t'appelle maintenant, là, c'est pour vous informer que, et votre petit oncle footballeur, là, hein, ton petit oncle footballeur, là, Saint-Pierre, ah, il était sur le terrain quand on lui a taillé la pipe, il est décédé, hein. Il est décédé. C'était à 2 minutes de la fin du match, on lui a taillé la pipe, il est décédé. Et quand on a informé sa maman aussi n'a pas pu supporter le coup, elle s'est suicidée. Oui. Maintenant, ce que je vais te dire, ne n'informe pas et ton oncle là, et Ali Neuf. Faut pas l'informer parce que j'ai appris que lui aussi, il est malade. Si tu l'informes, il peut mourir. Mais tu dois quitter la maison. Soit tu quittes la maison ou tu te prends en charge, mais il faut laisser le vieux se reposer. Si j'appelle prochainement, tu dois me dire que tu te prends en charge maintenant et que le vieux est au repos, hein. D'accord. Je te rappelle après. Tu salues tes frères. Comment?